Salut, sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergem, nu mergeți la școală. Cât va ține, probabil încă niște săptămâni bune de aici înainte. Este foarte important să știți că în această perioadă televiziunea română, televiziunea publică, vă pune la dispoziție un proiect unic, numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitați, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală. Dacă lucrurile acestea vi se păreau o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit Teleșcoală și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag-urile sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, zice Antoine de Saint-Exupéry în celebra sa carte Micul Prinț, adică nu putem vedea bine decât cu inima, esențialul este invizibil pentru ochi. Dar să învățăm corect din lecția de franceză, pregătire pentru bac. Bonjour et bienvenue à la deuxième leçon de français. Je m'appelle Antoinette Arbouchetouk, je suis professeure de français au Collège technique de Poste et Télécommunications Gheorghe Airine de Bucarest. Et aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire préparer l'examen d'évaluation des compétences de français. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu ensemble comment préparer l'écrit, comment préparer la compréhension écrite, comment préparer la production écrite, spécialement l'essai argumentatif, donc la deuxième partie de la production écrite. Et aujourd'hui, on va continuer avec la compréhension orale et la production orale. On commence par la compréhension orale et j'aimerais vous donner quelques conseils pour que l'épreuve se déroule bien. Avant l'écoute, lisez très attentivement les questions, faites un repérage des possibles difficultés, nos propres chiffres, qui sont en général plus difficiles. On a des difficultés à repérer les chiffres en français. Pendant la première écoute, concentrez-vous sur la compréhension du fil logique plutôt que sur la prise de notes. Ça, c'est une erreur qu'on fait fréquemment. On se précipite à prendre des notes et le document continue. Et ainsi, on perd des informations importantes. Puis, si pendant la première écoute, vous voulez quand même répondre, répondez aux questions dont vous êtes sûr d'avoir compris la réponse. Entre les deux écoutes, prenez des notes sommaires. Il suffit un mot-clé, il suffit
le sujet, le prédicat de la phrase, mais pas des notes très, très élaborées. Pendant la seconde écoute, identifier les informations manquantes ou les éventuelles erreurs. Et c'est juste après la seconde écoute, c'est seulement après la seconde écoute qu'il faut répondre aux questions. Et très, très important, il faut relire les réponses que vous avez données. Je vais vous donner un exemple de possible sujet à l'examen. Et j'ai choisi pour aujourd'hui le texte le plus court. On fait exactement comme si on était en salle d'examen. Ça veut dire qu'avant d'écouter, on lit les questions. Choisissez la bonne réponse. D'où sont originaires les enfants de l'émission? Et vous avez de Nice, de Marseille, de Paris, de Lyon. Quel type d'activité font-ils? Ludique, nautique, créative, interactive. À quel élément accorde-t-on le plus d'importance? Sport, nourriture, détente ou sécurité? Et dernière question, sur quel aspect sont rassurés les parents? Le casier des animateurs, la garde, le plan sanitaire, c'est le A. Les jeux, la santé, l'animation. La nourriture, les baignades, le plan sanitaire ou le sérieux des animateurs, l'animation. Donc, après avoir attentivement lu les questions, maintenant, on va écouter le document audio. Sur l'estuaire de la Gironde, pour les petits Parisiens en colonie de vacances, la journée commence comme d'habitude. Dès 10h, ils ont rendez-vous sur la plage pour faire des activités nautiques. Par exemple, les jours où il y a du courant, vous pouvez vous retrouver là-bas en seulement 2 minutes, à peu près. Le moniteur rappelle les consignes de sécurité avant de commencer le cours de paddle. Oui, on fait toujours des briefings de sécurité, que ce soit en voile, en paddle, en n'importe quelle activité nautique, toujours la sécurité prime avant tout. Ouais. Et les enfants apprécient. De toute façon, on a des gilets, on a des combis, on sait nager, je pense pas qu'il va nous arriver quelque chose. Sur l'eau, chaque moniteur surveille 8 enfants. Les enfants ont décidé de pique-niquer sur la plage. Les moniteurs en profitent pour souffler. Il n'y a pas de danger, ils sont sur la plage, ils sont assis, ils ont leur casquette. Ouais, ils sont en sécurité, là c'est un moment où on baisse la pression. Mais le répit est de courte durée. 20, le compte est bon, parfait. Donc on a nos 20 jeunes, tout va bien. On n'a perdu aucun. Voilà. L'activité baignade va bientôt commencer. Les risques d'identification. Là encore, la sécurité est de mise. Pas de cailloux, on ne joue pas à l'apnée ni on croche pas dans l'eau. Les enfants ont bien retenu les consignes, même si certains mots sont difficiles à prononcer. Et quand je suis allée dans l'eau, j'ai pris de l'eau. Et puis après, j'ai mis sur les bras, ici, sur les jambes et surtout sur la nuque. Pourquoi? Parce que ça peut faire un risque d'hydrocution. Bouger, c'est gagné. Bouger, c'est gagné. Les activités sont très surveillées, mais le risque zéro n'existe pas. Les animateurs prennent leur mission très au sérieux. Les parents peuvent nous confier sereinement leurs enfants, puisque tout d'abord, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, on s'assure que les animateurs n'aient pas de casier judiciaire. Ensuite, on organise 2 jours comme 2 nuits sur le site des tours de garde. Et enfin, sur le plan sanitaire, tout est contrôlé. Toutes les conditions sont réunies pour que les enfants passent de bonnes vacances, des moments de joie qu'ils n'oublieront pas. Une chose que j'aimerais préciser ici, c'est le fait que il faut pas se paniquer au moment où vous entendez des bruits de fond. Il y a le bruit de la plage, il y a plusieurs voix qui apparaissent, parce que en général, les questions qui comptent, les informations qui comptent, ne sont pas dans ces morceaux-là d'enregistrement. Donc, gardez l'attention tout au long de l'audition, parce que les informations qu'il faut repérer ne sont pas dans les endroits les plus difficiles de l'enregistrement. Vous avez les réponses, j'espère. Sinon, ce n'est pas grave, vous écoutez encore une fois et vous faites l'exercice chez vous.
Donc, il y avait des Parisiens, des petits Parisiens, parce que c'était, les activités se déroulaient à la plage, c'était plutôt des activités nautiques. L'élément auquel il fallait accorder de l'importance, c'était la sécurité. Et les aspects rassurants pour les parents, ce sont celles énoncées au point A. D'accord, voilà. Je vais vous attirer l'attention sur les phrases clés qui indiquent les réponses. La première phrase sur l'estuaire de la Gironde, pour les petits Parisiens en colonie de vacances, la journée commence comme d'habitude. Donc ça vous assure la bonne réponse pour A. Dès 10 heures, ils ont rendez-vous sur la plage pour faire des activités nautiques. Donc, vous voyez, il n'y a pas un synonyme ici, il y a directement le mot que vous cherchiez. La sécurité prime avant tout. Donc, voilà, c'est pour la troisième question. Et finalement, on s'assure que les animateurs n'aient pas de casier judiciaire. Ensuite, on organise deux jours comme deux nuits sur les sites des tours de garde. Et enfin, sur le plan sanitaire, tout est contrôlé. Donc voilà les mots-clés, casier, garde, plan sanitaire, pour bien répondre aux questions. Voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'épreuve, c'est-à-dire la production orale. Vous avez un exemple de billet pour la production orale. Vous pouvez voir que chaque billet contient trois items, trois questions. Le degré de difficulté, c'est comme d'habitude, on part du plus simple vers le plus compliqué. Donc, le premier, donnez trois exemples d'activités à faire en compagnie de vos amis pendant les vacances d'été. Deuxième, votre ami veut organiser une surprise fête pour son frère cadet. Donnez-lui des conseils sur les préparatifs à faire pour que tout soit parfait. Et finalement, le troisième, quel serait d'après vous le loisir de l'avenir ? Le temps passé au milieu de la nature ou devant un écran, argumentez votre réponse. Si on regarde attentivement les énoncés, on peut voir que les réponses partent en général du niveau du morphème, du niveau du mot. Trois exemples d'activités ici, pas de choses très compliquées. Puis on a des conseils à donner, donc... Ici, déjà, au niveau lexical, au niveau grammatical, il faut introduire peut-être un conditionnel, il faut peut-être introduire un impératif, etc. Et finalement, le troisième, le plus difficile, celui qui vraiment fait la différence, c'est le point de vue soutenu par des arguments. Alors, on commence par le premier. Voilà. Trois exemples d'activités à faire en compagnie de vos amis pendant les vacances d'été. Pour le premier et pour le deuxième, je vous conseille d'éviter la prise de notes, la prise de très longues notes. Par conséquent, je vous propose ce modèle de préparation. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle exclusif. Ça veut dire si le professeur, si vos professeurs vous ont proposé d'autres stratégies pour préparer, alors vous préparez comme il vous convient. Moi, personnellement, je conseille de mettre le mot au centre de l'image, au centre de la feuille, la consigne au centre de la feuille, dans ce cas, activité avec les amis. Et puis, imaginez à partir de ça, des activités à faire en compagnie. Moi, j'ai proposé jouer un jeu vidéo, parler de ses lectures, jouer d'un instrument, écouter de la musique, pratiquer un sport, aller au cinéma et sortir en ville. Libre à vous d'imaginer d'autres activités à faire en compagnie de vos amis. De toute façon, pour cet exercice, pour cette activité, ne vous lancez pas dans la prise de notes. C'est inutile et vous perdez du temps. Pour le deuxième sujet, on va appliquer la même stratégie. Votre ami veut organiser une fête surprise pour son frère cadet. Donne-lui des conseils sur les préparatifs à faire. Donc, conseils pour une fête surprise.
votre ami a besoin de vos conseils. On a mis au centre de l'image les conseils et c'est à vous d'imaginer les conseils. Voilà, vous pouvez lui en donner 2, 3, 4 ou 5, combien vous voulez. Et voilà, vous pensez, vous réfléchissez bien et probablement vous allez produire quelque chose de ce genre. Pour une fête surprise, vous devez connaître les passions du frère de votre ami. Vous devez penser à la musique, au choix de la musique. Bien sûr, vous devez garder le secret parce que c'est une fête surprise. Il est possible de réaliser une vidéo en montage photo pour lui faire plaisir, si c'est le cas. Choisir la date et le lieu et bien sûr, inviter les personnes qu'il aime. Je répète, ce n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est pas une liste exclusive. Si vous voulez ajouter, si vous avez d'autres conseils à lui donner, libre à vous, libre à imaginer. On continue. Voilà, on arrive au troisième sujet, qui est le plus difficile. Donc, quel serait d'après vous le loisir de l'avenir? Le temps passé au milieu de la nature ou devant un écran? Argumentez votre réponse. Pour préparer l'exposé, j'ai quelques conseils à vous donner. Premièrement, lisez attentivement le sujet. C'est très important parce que la lecture du sujet vous donne le thème et peut-être vous indique les pistes d'argumentation. Donc, lire attentivement le sujet. Identifier le thème, identifier le sujet. Puis, positionnez-vous par rapport au thème pour ne pas avoir une argumentation floue. Donc, il faut dès le début avoir une position. Identifiez des arguments pour soutenir votre position, votre point de vue et organisez les arguments de manière logique. C'est à ce moment-là que les schémas en général ne fonctionnent plus. Il faut avoir un plan pas très détaillé, mais quand même qu'il existe. Puis, en ce qui concerne le soutien de l'exposé, ne lisez pas les notes devant l'examinateur, très important, parce que ce n'est pas un examen de lecture. Soyez calme, soyez attentif aux questions de l'examinateur et bien sûr, accordez-vous le temps de réfléchir avant de répondre. Voilà. Dans ce cas concret, on a le thème, le loisir de l'avenir. On a le sujet, le temps passé au milieu de la nature ou devant un écran. Et moi, j'ai adopté cette position. Et puis, c'est à vous de l'adopter ou non, d'adopter une autre position. Passer du temps devant un écran semble quelque chose de plus attrayant pour les générations actuelles. Si ça va être ma position, si moi je vais considérer que dans le futur on va passer du temps plutôt devant l'écran qu'au milieu de la nature, alors bien sûr j'ai identifié les arguments pour soutenir cette position. Trois arguments en général. La dernière fois, dans la première leçon, on avait parlé d'arguments aussi pour la production écrite. Donc on garde en général le nombre de 2 ou 3 arguments. Le premier argument, c'est l'explosion démographique qui entraîne une diminution des espaces verts dans les grandes agglomérations urbaines. Un deuxième argument, c'est l'omniprésence des écrans qui est accompagnée par une offre énorme d'activités de divertissement qui vont de la création de la musique, faire du sport, apprendre des langues étrangères, visiter les coins les plus exotiques du monde, etc. Et finalement, le troisième argument, à l'insécurité des espaces extérieurs, on oppose la sécurité et le confort de nos maisons. Vous observez probablement qu'il y a une certaine progression dans les arguments, de l'argument le plus général vers celui qui a l'impact émotionnel le plus fort, ça veut dire on parle de sécurité, de confort, ce qui touche davantage l'examinateur. Et évidemment, quand vous exprimez vos opinions, il faut avoir une structure
aussi logique à l'oral qu'à l'écrit. Et par conséquent, il est utile d'avoir des expressions, de connaître des expressions et d'employer des expressions du type « à mon avis »,« d'après moi », »,« il me semble que », »,« je crois que », »,« je pense que », »,« je trouve que ». Parce que c'est plus facile à l'examinateur de vous suivre, il est important que la logique du discours se reflète au niveau des articulateurs. Donc, vous devez avoir des articulateurs pour introduire vos arguments. Je commencerai par « premièrement », »,« d'abord ». Et vous devez avoir des articulateurs pour « continuation », »,« j'ajouterai que », »,« deuxièmement », »,« ensuite ». Et bien sûr, pour la conclusion, je terminerai en disant « que », »,« finalement », »,« enfin ». Vous les connaissez déjà, ceux qui ont travaillé connaissent déjà ces choses. Pour pratiquer, je vous conseille de nouveau les sites du ministère de l'Éducation et baccalauréat.ro et edu.ro. Là, vous trouvez des modèles, des exemples, des preuves et n'hésitez pas d'aller vers vos professeurs pour qu'ils vérifient vos productions, pour qu'ils vérifient votre capacité d'argumenter, etc. Moi, je vous remercie pour l'attention. Je vous souhaite succès et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Atât pentru astăzi, prieteni. Ne revedem și mâine la lecțiile de teleșcoală. Așteptăm în continuare pe pagina de Facebook Teleșcoală TVR mesajele și propunerile voastre și vă mulțumim că vă pregătiți pentru examene cu noi. Zi frumoasă și rămâneți voioși acasă!